Mesdames et messieurs, le coureur Saint-François. Voici les marches de pour le Saint-François pour le match de ce soir. Dans le filet numéro 35, Luc Boulanger. À la défense, le numéro 7, Peter Maxer. Le numéro 27, Carol Patrick. À l'avant, le numéro 18, Adrien Bravo. Le numéro 32, Jean-François Gadois. Et le numéro 80, Yannick Barley. Le 22e tournoi de hockey international Bantam de Sherbrooke a de nouveau été couronné de succès cette année du 26 au 30 décembre dernier. Et pour accueillir nos invités du match de ce soir, j'inviterai d'abord le président du Saint-François de Sherbrooke, M. Raymond Lemay. Et le Saint-François est heureux d'accueillir ce soir au centre de la patinoire pour la mise au jeu protocolaire le président du tournoi international Bantam de Sherbrooke 2003, M. Dominique Marteau. J'inviterai maintenant les personnes et ceux qui sont pour la mise au jeu protocolaire, s'il vous plaît. À vous lever pour l'interprétation de notre hymne national, chanté ce soir par Madame Valérie Claire. Thank you.
Finition correcteur numéro 11, Adol Hirsch, 2 départs, 22, tout le temps de finition, 34 secondes. Thank you.
La direction du Saint-François tient à remercier ses principaux collaborateurs, la brasserie Molson, Sport Wellington, Mike, le journal de Sherbrooke, CFAK 88.3 FM, Rogers ATT, le journal anglophone The Record et le quotidien La Tribune. AMG Campbell.
Thank you.
L'introduction au grimpeur numéro 26, Mike Anderson, pour le Saint-François numéro 77, Chris Jones, 2 minutes chacun pour Rudess, à 9 minutes 22 secondes. Thank you.
Le premier du Jean François, son quatrième de la saison, porté par le numéro 62, Trevor Hughes. Avec le numéro 7, Peter Matzek. À 13 minutes 49 secondes. La position à QMB au numéro 22, Michael Lantier, 2014, à 13 minutes 49. Thank you.
L'attribution du Saint-François au numéro 22, Pinel Kofi, 2 minutes pour coup de bâton à 18 minutes 20 secondes. Minutes de jeu de la première période.
Et c'est votre dernière chance ce soir pour vous enregistrer pour le voyage à Québec et à Montrouge le 11 janvier. Il reste encore 4 places disponibles. Pour information, veuillez vous présenter à l'entrée du Palais des Sports après la deuxième période.
John Murphy, 2 minutes pour Lunes et 5 minutes pour Cèdre Mathieu. Au numéro 26, Mike Anderson, 2 minutes pour Lunes et 10 minutes de mauvaise fortune. Au numéro 80, Yannick Tremblay, 2 minutes pour équipement illégal et 5 minutes pour Cèdre Mathieu. Le temps des positions, 4 minutes, 3 secondes. Yeah.
Thank you.
un bûcheron Grand Prix au numéro 49, Mike Barra, de 2 minutes pour l'entrée de Bûcheron à 10 minutes. Yeah!
Thank you.
dernière minute 30 secondes de la deuxième période sont à jouer en début de troisième. Alors nous allons procéder à la promotion Thibaut Fonseca-Fioué. Ensuite, nous allons faire la réflexion de la classe. Nous allons terminer la deuxième période. Ensuite, merci. Pour faire le lancer de la montagne chanceuse. Et également le tirage du bâton de marqué du choix du mois qui s'en avait avec sur la patinoire. Cette soirée du 2 janvier avec une promotion, la soirée de la parenté, on se détonnait la parenté, on se souhaitait la bonne année sur la glace. Et c'est pas fini, avec encore 22 minutes 30 secondes. Nous, on a vu la boucle là, on est en ville, et ça paraît ce soir sur le 53. Isabelle, Samel, à bord dans le Grand Prix 2-4 de Pontiac. En grand point pour débuter l'année 2-4, on peut dire que c'est une voiture en France et volontaire, avec un moteur V6 et une puissance de 200 portes moteurs. Le résultat ne dépend pas seulement de la puissance, mais aussi du plaisir de la conduire. En créant une nouvelle sport, il est aussi bien vos exigences pratiques qu'à votre passion de pilotage. Une voiture avec un style qui va faire particulier, un style qui vous ressemble. Après tout, c'est vous le pilote qui donne les commandes. Une voiture faite pour les pilotes. La Grand Prix 2004 de Pontiac. Pontiac, la passion de conduire seulement chez Thibaut. Pontiac, Bureau GMC, au 38-39 King West, à Sherbrooke.